Je sors pour aller dire aux gens aidez-moi, aidez-moi, et les gens, je ne sais pas, tous les autres qui vont m'aider. D'autres, quand je vais là-bas, ils me disent Fourcan, vous égradez. Si c'est le Maroc, mon pays, c'est loin. Donc, depuis que je suis là, ça fait 4 ans et toutes les 3 ans comme ça, je suis dans la rue. Je dors n'importe comment. Vous êtes, voyez là où je suis. Moi je suis là. Regardez, tout ça. C'est ma cinquième année ici. Tout ça, c'est des choses que les gens viennent jeter sur moi ici. Quand je dors la nuit, ils peuvent venir me jeter des objets comme ça. Je vois que c'est des habits, je prends. Mais je souffre beaucoup. Ici là avec mon ami, lui aussi, c'est quelqu'un, il vient d'arriver, il n'a pas duré ici. Il m'a retrouvé ici, il m'a dit qu'il vient de Sénégal, des Sénégalais comme moi. Et aujourd'hui, je ne peux pas l'abandonner. Donc il me faut que je l'approche. Il est approché, il est en train de souffrir, il souffre comme moi aujourd'hui. Et grâce à ça, on s'est petit et fille. Et on sort pendant la journée pour demander à quoi manger et autres. Donc, c'est pas facile. Ça, c'est les fils contacts automatiques. Le film est terminé. C'est automatique. Wow. Ça, c'est automatique, c'est nous qui avons fabriqué ça, madame. Alors là, c'est pas facile. Donc en voyant tout cela, vous avez vu notre situation de vie. Donc c'est vraiment une vie que personne d'entre nous qui est humain, qui vit sur la terre, ne souhaite passer. Alors, voyez la situation. On ne peut rien. On est sur la route, au nord du Maroc. On vit comme ça. Contre les, on va dire, les noirs ici. Voilà. C'est
C'est-à-dire qu'il est impossible pour nous d'intégrer la société, que ce soit sur le plan de l'emploi, sur le plan voilà, des relations avec les Marocains, c'est très 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 difficile. C'est impossible d'avoir un ami marocain, c'est impossible même d'avoir une amie marocaine, c'est impossible de s'intégrer, d'être invité chez les Marocains et tout ça. Donc on se sent très 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 isolé. Et le seul recours que nous avons, c'est d'aller vers les Occidentaux, les étrangers, les Européens. Et même quand tu parviens à avoir un ami européen, tu te laisses voilà, menacer souvent par les autorités, par la police, qui te dit qu'est-ce que tu fais avec l'Européen. Dans un premier temps, on se dit oui, il protège les touristes, mais à la fin, on remarque que c'est parce qu'on est black. Et que justement, lorsqu'on est avec un Européen, ils trouvent que ce n'est pas normal. La preuve, c'est que même la population, souvent, peut dire à un Occidental, à un Européen, qu'est-ce que tu fais avec le subsaharien là, il est sans papier, il va te voler, voilà, tu es touriste, sois prudent, attention. Et du coup, l'Européen se décourage, il a peur, et puis voilà, c'est ça. Donc on est vraiment marginalisé, on est triste. On ne se sent pas intégré ici. Il y a beaucoup de racisme dans la rue. Lorsque tu es black, tu es voué au contrôle de la police. On te contrôle juste parce qu'on te voit la couleur de peau et on voit que tu es noir. Donc, tu peux te contrôler.